Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On continue pour le bullet journal. Donc, aujourd'hui, c'est la page santé. Voilà. L'heure est grave, j'ai repris le sport. Après un an d'arrêt, j'ai l'impression qu'un bus m'est passé dessus. Donc, on va faire une thématique sur la santé et les habitudes diverses. Donc, on va déjà faire notre petite page. On va prendre du rose, hein, dans cet album-là. J'aime le rose. Hein. Si elle n'aime pas le rose, et ben, c'est pour elle. Elle aimera quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais non, mais ça, c'est rose. Hein. Je suis obligée de prendre du rose. Alors, je vais prendre celui-là. Hop! Avec des petits ronds. Vous avez vu, j'ai rangé ma table. C'est bien mon gros chat? Donc 22 sur 30. C'est 22, hein? Je vérifie quand même. Je crois que oui, mais... Ah, il y a déjà du monde, mon gros chat. Ah, c'est la bagarre du trône. Donc 22. Non, Doudou, tu viens là? Il y a déjà du monde. Ensuite, là, on va réduire l'image. Et là aussi. Voilà. Moi j'ai la crève, je sais pas vous, mais la gueule est hein. Tac, on colle. Il y en a trois. Je vais bientôt commencer le mien. Je vous préviens, c'est ça y est, là, ça va sortir. Hein. Donc on aura bien sûr d'autres thématiques, mais je fais que d'y réfléchir et. Du coup, ça m'empêche de dormir. Je suis trop excitée à l'idée de le faire. Hop, on colle bien donc sur le côté parce qu'on a toujours notre histoire de trou. Donc ma trouilloteuse devrait la recevoir aujourd'hui. Voilà. Et je me suis commandé aussi un support téléphone pour faire les vidéos au-dessus de mes mains et pas sur le côté comme ça, c'est un peu naze, hein, mais on fait avec les moyens du bord. Là, donc je me suis commandé un support. Je l'aurai début d'année prochaine. Voilà. Allez mamie, on se met au sport. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'onglet sport? Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Changer la caméra de vue, ce sera plus sympa pour vous. Ça sèche. Donc j'ai trouvé, attendez, je change de vue. Donc j'ai trouvé ça. Défi 100 jours, 30 minutes par jour. Donc il va falloir colorier les cases à chaque fois qu'elle aura fait ses 30 minutes de marche par jour. Donc 100 jours consécutifs avec un minimum de 30 minutes. C'est écrit mini-nut, vous avez vu? Minute. L'activité physique dans la journée. Jogging, natation, marche, vélo, fitness. Donc voilà. Donc il y a ça. Ensuite, on a Sleep Tracker. Donc là, noter. Ça va pas ça?
Janvier. Si, c'est ça. Mais non, ça va pas. Ouais, faut, je sais pas. C'est pas terrible, hein. Ça a dormi 5 heures, 8 heures du 5 heures. Non, ça, c'est pas terrible. Je vais changer. Je vais en prendre un autre. Il ne me plaît pas, celui-là. Enfin, j'en voulais un avec les. Attendez, je regarde un truc. Bougez pas. Enfin. Non, ben, je regardais si j'en avais imprimé un autre. Mais. Donc, non, je vais pas prendre celui-là. En fait, je vais en prendre un où il y aura les heures. De 1 à 12. Parce que là, si je mets moins de 5 heures, c'est pas très. Parlons. Bon, bref, on reverra ensemble. Ici, c'est pour noter la météo. Jour. On verra s'il y a beaucoup de jours ensoleillés dans l'année. Hein. Ici. Alors, ça, c'est pour mettre les habitudes. Donc, au niveau des habitudes, moi, j'ai noté, j'ai commencé à noter des choses. Donc, de toute façon, on va le faire ensemble. Donc là, en fait, on note l'habitude et on coche on colorie la case pour savoir si ça a bien été fait. Là, c'est une autre forme de coche d'habitude. Là, c'est une autre forme de coche d'habitude. Une autre forme. Une autre forme. Ici, c'est pour boire 8 verres d'eau. Défi, boire 8 verres d'eau par jour. Voilà. Donc. J'espère qu'elle va le faire. Ici, c'est pour se peser tous les mois. Ça, c'est peut-être plus pour moi que pour elle. Et là, donc, j'ai répertorié donc pour faire des menus équilibrés. Je ne sais pas si on voit. Donc, moins de 100 calories par portion. 100 à 200 calories par portion. Et après, c'est marqué plus de 1000 calories. Voilà. Ici, le calendrier des fruits et des légumes de saison. Ici, ceux de janvier. Ici, ceux de l'hiver. Et ainsi de suite, le printemps, patati, l'été. J'en ai profité pour imprimer les autres saisons. Donc, voilà pour ça. Au niveau des petites habitudes de mamie, on y va. Je vais essayer de les ranger par catégorie. J'ai mon petit stylo dans le coin normalement. Là non, je l'ai pas. Oh, je vais le chercher. Allez, on y va. Donc là, on dira que ce sera les habitudes de loisirs. Ça y est, je me lance, j'écris. Loisirs. Vous voyez, c'est pas beau. Ça m'énerve. Je peux gommer là. Loisirs. Je change. Attendez. Allez, là on va écrire en normal. Loisir. Je crois que je vais apprendre la calligraphie. On va apprendre la calligraphie ensemble, vous voulez bien? Donc, loisir. Donc, dans ces loisirs, il y aura donc ici, on va mettre effet mes rides. Rides. Scrabble. Je vais vous faire un éphéméride Scrabble à Noël. Enfin, c'est mon chéri. Ici, on va mettre effet mes rides mots mêlés. Donc, si elle a bien fait sa page, hop, elle pourra colorier et hop, bien vérifier qu'elle a fait toutes ses pages. Il faut donc qu'elle fasse les éphémérides. Ah, son tirage de cartes. Hop. Donc là, on va mettre tirage de cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La météo. Météo.
Ah bah c'est 30 minutes. 30 minutes de sport. 30 minutes de sport. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'en ai une de fait. Ici, on va mettre j'aurais dû mettre le sport, la santé ensemble. Bon, je pourrais refaire au cas où. Donc là, on va mettre tout ce qui est corvée. Donc là, on va mettre corvée. Donc, il y a les poubelles jaunes. Ah bah oui, c'est ma mère qui sort les poubelles. Poubelle jaune. Poubelle verte. Et poubelle grise. On peut mettre des encombrants. Voilà, il n'y aura peut-être pas ce mois-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tcha-tcha-tcha. Et on pourrait mettre. Allez, à la boîte aux lettres, allez. Chercher le courrier, j'ai pas de place. Boîte aux lettres. Voilà. Donc, il y aura ça. Alors, là, ça va être drôle. Enfin, ça va être drôle. J'ai mes enfants qui ramènent. Parce que je vis avec ma maman. J'ai une maison, on la divise par deux. Elle a son indépendance, mais voilà, on vit dans la même maison. Et j'ai mes enfants qui viennent leur ramener leur linge régulièrement. Donc là, on va faire ça. Comme ça, on va voir à quelle fréquence ils viennent les bougres. Et c'est elle qui s'en occupe. Linge. Théo. Linge. Là, vous allez vous demander pourquoi c'est pas moi qui m'en occupe. Parce que ma mère, elle a envie de le faire. Donc, je la laisse faire. Ça l'occupe. Alors, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les corvées? Eh bien, on va mettre son ménage. Son ménage. Ses courses. Et mettre du carburant, on va mettre. Voilà. Les courses. On va prendre une autre. Ici, on va mettre. Il n'y a pas de numéro là. On va mettre. Fêter les anniversaires. Prendre. Fêter. J'ai pas encore fait un long l'onglet. Vous voyez, ça rentre pas. Ça m'énerve. On disait que c'était un brouillon. On va mettre faire ses comptes. On va mettre placer ses économies, là, comme on a vu auparavant. Et en parlant d'économie, on va mettre noter gain au grattage. Noter gain grattage. Et voilà, ça déborde encore. Je m'entraîne. Hein? On dit 2. Ouais, celui-là, il n'est pas très beau, hein, parce que regardez. On verra. Donc faire ses comptes, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais reprendre celui-là du coup. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, qu'est-ce qu'on avait là? Elle va noter le sommeil. Bon après elle va peut-être le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Qu'est-ce qu'il y a mon chacha? Ah oui je voulais, alors je ne sais pas comment on peut le faire.
C'est noter ses visites. Genre ici. Alors, les visites. C'est un brouillon. Hein. Genre, on va mettre ici Johan. À mon avis, c'est lui qui vient le plus. Johan, Valérie, Karine. Donc, Valérie, c'est ma soeur. Karine, c'est ma soeur. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ben, moi, j'habite avec, ça compte pas. Ben, elle mettra des prénoms. J'essaierai d'en trouver une plus longue et comme ça pourra noter les visites. À mon avis, c'est mon neveu qui vient le plus. Il vient très, très, très régulièrement. Mais ouais, les visites, c'est ma collègue qui m'a donné cette idée-là. Ça peut être pas mal. Après, c'est sans méchanceté, hein. On sait très bien qu'il y en a qui viennent plus que d'autres. Par exemple, moi, je peux pas me noter. Je suis là tout le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait noter d'autre? On pourrait noter d'autres. Le compte. Alors, tout ce qui est visite. Visite annuelle. Donc, il y aurait, par exemple, le contrôle technique de la voiture. Voiture. On pourrait voir, on pourrait noter les médecins. Ophtalmo, etc. Qu'est-ce qui pourrait. Alors, si vous voyez d'autres habitudes qui vous viennent à l'esprit, bah, n'hésitez pas à me dire. Donc, bah, en fait, voilà. C'était déjà pour vous expliquer un peu le concept des habitudes à noter chaque jour. Alors, si on peut inclure des bonnes habitudes comme la marche, ou boire des verres d'eau, ou je ne sais quoi d'autre. On peut. Ça, c'est plutôt bien quoi de le noter. Voilà. Donc, bah voilà, et on va continuer. Hein. On continue sur la lancée. Je fais d'autres recherches et je continue. Et moi, de mon côté, je suis en train de réfléchir au mien sérieusement pour commencer à me lancer. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros Sacha? Tu vas aller dehors, mon Sacha? Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!